L'arsenal de guerre contre le nouveau coronavirus se renforce jour après jour. Un nouveau dispositif appelé Smart Désinfectant vient d'être mis au point par un jeune développeur guinéen. Il a affûté ses armes à Paris et a travaillé chez PCSoft, Microsoft et Google. Depuis 2 ans, le jeune Mohamed Soaré a décidé de mettre son talent au service de son pays. Plusieurs projets se trouvent sur sa table, comme ce tunnel désinfectant contre le coronavirus. Et on a créé un programme intelligent. Une fois que vous rentrez dedans, automatiquement, c'est peut-être qu'il y a la présence de la personne. C'est la tablette même qui vous parle avec la reconnaissance vocale et ça vous dit la seconde que vous allez le faire à l'intérieur. C'est notre propre tablette. La marque, c'est CSoft. C'est la tablette CSoft. Pas tout ce qui est là, ça a été trouvé ici à Conakry. Donc on a trouvé des solutions avec mes équipes qui sont là. On a trouvé des solutions à partir de la Guinée ici. Le dispositif est doté d'un capteur, d'une tablette incorporée et d'un système de pulvérisation alimenté par une solution hydroalcoolique. Il pourrait servir à désinfecter tout le corps, empêchant ainsi le transport du virus par l'homme. Nous utilisons ce qu'on appelle une solution alors pour désinfecter les gens. Mais comment préparer cette solution? Aujourd'hui, il existe beaucoup de désinfectants sur le marché, mais il faut le savoir qu'il y a 2 catégories de désinfectants que nous utilisons pour lutter contre ce Covid-19. Alors, des désinfectants à base d'eau de Javel, qui contient l'élément chloré, qui est un élément qui attaque directement, n'est-ce pas, le virus en s'attaquant à son ADN, et aussi autres désinfectants que nous fabriquons à base, n'est-ce pas, d'eau oxygénée, l'éthanol plus le glycérol. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous rentrons d'abord dans ce qu'on appelle la composition chimique des éléments et comprendre toutes les descriptions selon l'OMS et tout ce qui est lié derrière aux inconvénients. Et nous faisons les dosages de manière à ce que le produit issu alors, soit utile non seulement pour tuer les virus, mais ne soit pas un produit, n'est-ce pas, et qui cause des dégâts non seulement sur la peau et sur les habits des personnes. Au-delà du smart désinfectant, Mohamed Soaré développe des applications et monte des tablettes. Grâce à ces applications, le retraçage des personnes est une solution de facilité à la portée de main.